Salut, donc là j'ai pas trop le temps, donc je vais me dépêcher. Alors là vous voyez un espèce de trésor, si on va à droite, il est perdu, parce que ça s'effondre et on le perd. Donc il faut passer par en bas, hein, et non par en haut, pour l'avoir. Donc là voilà, si j'étais passé par en haut, ça serait effondré et je l'aurais pas vu. Donc il faut, voilà, le prendre depuis ce côté. Ensuite, ça c'est censé être un boss, franchement, mais c'est une grosse merde en fait. Il vaut rien du tout, hein, sérieux. C'est une grosse merde. Donc voilà, il nous fait un truc qui nous fait condamner sur tout le monde, donc quand le temps sera écoulé, on sera mort. Bon, les secondes c'est aléatoire apparemment. Même s'il gagne du temps dans ça, ce qu'on a. Merde, ça je savais pas. Ouais, il est mort, hein. Et alors là, je vais vous dire un truc très important. Alors écoutez-moi bien et faites pas les cons. Merde, j'aurais pas pensé qu'il y en aurait un autre. Bon voilà. Alors vous allez voir la scène dont je vous parlais depuis tant de temps. Elle est pas si bien que ça, mais. Donc voilà, là, si on fait sauter Shadow, on l'aura plus, il crève, ok. Donc, écoutez-moi bien, vous appuyez sur attendre. Après, vous quittez, vous revenez, et vous faites attendre Shadow. Il faut attendre tout le temps maintenant. Parce que là, si on faisait sauter, il y avait la même scène, mais Shadow ne revenait pas avant, et on l'aurait plus dans le jeu après. Il est vraiment mort, mort de chez mort, hein. Aucun moyen de irréversible, aucun moyen de l'avoir avant. Donc là voilà, on attend, hein. Tranquille. Donc là vous allez vous chercher un café, je sais pas. Un ice pêche par exemple. Donc là vous pouvez attendre tranquille, hein. De toute façon le temps il s'écoule aussi dans le menu, donc vous allez voir pourquoi je vous ai dit qu'il fallait avoir un bon niveau pour Céleste. Vous allez comprendre. Ça sert à rien d'enlever les trucs puisque ça s'enlève tout seul à mon avis, mais. Voilà, Shadow revient. Sinon il était mort, donc là je l'ai sauvé, voilà. Donc faites pas les cons, essayez pas de croire que je dis des conneries. Il serait vraiment mort, hein, sinon. Et voilà, la scène dont je vous parle. Donc je parle pas. Hein. Ah, comment ils sont fait massacrer, hein. Ils sont bien fait écraser en fait de tout. Ah, là on voit le Kappa, hein. Ah putain. Bon, c'est gros bordel. Ce que j'adore c'est qu'ils volent encore le truc. Donc vous avez compris, c'est la fin du monde. Alors ça c'est le seul RPG où vous voyez que l'ennemi a gagné. Bon, il est pas fini, vous inquiétez pas, bien sûr. Mais que l'ennemi a réussi à détruire la planète, j'ai jamais vu ça dans aucun jeu. Hein. On l'empêche toujours avant, normalement.
Donc voilà, c'est ça l'événement que je vous parlais majeur, l'événement majeur qui changeait complètement le jeu. Parce que là, toute la planète a changé maintenant. Elle est plus du tout pareille qu'avant. Donc l'endroit où on pouvait parler à un gars qui allait construire un colisée, il y a un colisée à la place, etc. Voilà. Et vous allez voir pourquoi il fallait augmenter CLS et Sabine. Voilà, le monde ressemble à ça, l'eau et le ciel ressemblent à ça maintenant. La musique de la carte a changé, ça fait une espèce de musique chaotique maintenant. Donc là, on se retrouve sur une petite île au sud de la carte. Où on va retrouver quelqu'un. Tout est détruit, hein. Tous les villages sont comme ça, avec les maisons comme ça. Et là, on retrouve Céleste. C'est lent, mais bon, c'est normal. Céleste et Sid. Imaginez, pendant un an elle dormait. Donc faut pas se demander pourquoi elle était dans le coma ou un truc comme ça. Donc voilà, un an s'est passé, la planète est complètement détruite. Ça c'est pas un truc de barbeau. On voit à quel point Kefka c'est un espèce de timbré quoi. Il détruit toute la planète, ça me fait marrer. En fait lui il veut même pas conquérir la planète comme ça, il veut tout niquer en fait. En fait, ils ont des noms, les mondes. Après, c'est le monde de la balance. World of Balance. Voilà, enfin, je sais pas comment on dit. Et le deuxième, c'est le monde des ruines. World of Ruins, quoi. Je vous dis pas de conneries, c'est sans le nom des mondes. Donc là vous allez voir, on peut faire plein de trucs. Alors je vous explique, c'est un petit truc sympa. Alors déjà, tout d'abord, équiper basket. Voilà. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. Je fais une sauvegarde rapide parce qu'il y a deux choix là. Alors en fait, il faut rapporter, je vais vous montrer, des poissons qui sont ici. Il faut apporter ceux qui nagent vite. Genre celui-là. Enfin, ou peut-être même ceux qui nagent plus. Donc regardez dans votre inventaire, dans rare poisson. Voilà un délicieux poisson. Donc celui-là il est bien. Si on prend celui-là, qui nage pas vite, ça met un poisson normal. Et là c'est pas bon. Donc en fait il faut lui donner que des délicieux poissons acides. Sinon, qu'est-ce que ça fait? Ben, je vais vous montrer la scène où il crève. Donc là, s'il n'y a plus de poisson, ben, il faut le régénérer en parlant acide. Donc, je vais vous montrer ce que ça fait. Oh merde, en fait, on est obligé de prendre des poissons avec nous. Donc je vais prendre un poisson de merde, voilà, genre celui-là. Viens ici. Ok. Donc s'il n'y a pas les poissons qu'on veut, on peut lui reparler. Et si on lui reparle trop, ben, il crève en fait. Voilà. Donc là faut faire. Ça c'est la méthode du bâtard. On part, on revient. Et on fait que lui parler. Voilà. Chaque fois ça. C'est juste pour vous montrer les différentes méthodes. Hein.
voilà, il dit des dialogues. Genre il va crever quoi. Donc c'est là qu'on voit qu'on est sur un mauvais voie, hein, si on veut ça. Bon, je crois que si on donne des mauvais poissons, c'est encore pire que si on lui fait que lui parler. Bon, j'espère que j'aurai quand même le temps de montrer les deux trucs. Putain, j'espère que j'aurai le temps de, pendant la vidéo, de tout montrer. Donc excusez-moi si c'est long. Donc voilà, il y a, dans tous les cas, on s'échappera de l'île. Mais avec cette méthode, voilà. Il crève, et pas avec l'autre. Bon, je sais pas s'il crève plus vite si on lui donne des mois à poisson ou si on lui parle tout le temps. Oh non merde, il reprend des forces ce con. Il a bouffé toutes les poissons. Voilà, là, il est mort. Ouais, il parle plus. Donc ça c'est une méthode, il y en a une autre qui est plus rapide, vous inquiétez pas. Ça c'est le thème de Céleste, hein, la musique. C'était des larmes, hein, le truc. Ah là, elle hésite à se suicider. Hein. Saute, saute. Et hop, elle saute. Ce serait trop bien s'il y avait une cinématique. Hein. Sauf que si on fait ça, en fait, elle crève pas. Sinon, ce sera la fin du jeu. Donc, vous allez voir ce que ça fait. Elle se retrouve en train de bouger des vagues là. Elle se retrouve échouée sur la plage. Ouais. Ouais, elle peut pas bouger, hein. C'est pas ma faute. Désolé si c'est long, mais c'est là. C'est sa faute. Donc là, c'est une mouette. Avec un bandeau. Le bandeau de Loki. Encore en vie. Et là on trouve une lettre. Tu ne veux pas rester ici. Voilà, et là si. Après on peut descendre. Voilà. On trouve un radeau. Et voilà, et après elle s'en va vers la mer, etc. Mais je vais couper cette scène. Et je vais sauver Sid, parce que je suis pas un petit bâtard. Alors est-ce que j'aurai le temps? C'est la question, hein. J'espère. Putain, merde, y a pas de poisson. Ah ça m'énerve, ça, il va crever. Hein. Il va crever comme un chien, après. Si, tiens. Tiens bon Sid, ne nous abandonne pas. Tu es mon seul espoir. Mais putain mais... Viens ici toi, salopard. Viens là. Ah. Dégage la mouette. Donc si vous avez vu qu'il n'y a pas la scène en entier, c'est que je l'ai coupé. Hein.
Putain, y'a que des poissons de merde. Je suis désolé, hein. C'est sa faute. Putain, putain de mouette, à tous les coups, elle va bouffer. Donc, vidéo peut-être un peu chiante. Si c'est le cas, je m'excuse. Dites-le moi en commentaire si c'est vraiment chiant ce point-là. Voilà. Puis je pourrais prendre la barque moi-même et me casser. Je peux faire le batteur aussi. C'est bien qu'il y ait un combat contre la mouette. Hein. Tu rapportes un rôti de mouette. Donc désolé, désolé. Encore hein. Du temps que ça met. Et encore heureusement que j'ai coupé. Parce que le temps que ça a mis pour qu'il crève déjà, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour tout vous montrer quoi. Vu ça, c'est pas très important. Mais... Ouais, c'est ça. Putain, c'est un estomac sur place, ce gars. Putain, il me donne des faim en plus. Avec ça. Il me donne faim avec ses conneries là. J'ai rien à bouffer comme un con. Et pourquoi à chaque fois il se relève pour aller près du feu et revenir dans le lit quoi? Il va se faire cuire son poisson ou quoi? Ah putain, à tous les coups c'était ça en plus. Oh, trop bien réaliste le truc. Ah ouais, il se fait cuire son poisson à chaque fois. Sur le truc pour chauffer la pièce. Non. Peut-être là sur la lampe là en gros. Mais encore, tu reprends des forces. Et allez. Mais putain de merde. Donc, désolé pour les insultes, mais il me saoule. Franchement, j'aurais mieux fait de le laisser crever, quoi. Putain, j'espère que vous aimez le poisson, parce que franchement, le temps que ça a mis... Donc là, du coup... Le projet, tu t'attends au truc, genre, le gars, il a créé une station spatiale, tu sais, avec tout le... Il a mis un an pour construire un radeau avec 5 rondins de bois, il se fout de nous. Désolé si le son est décalé. Mais c'est normal, hein, puisque vu la taille de la vidéo. Donc voilà, et ça c'est le deuxième truc. Et après on assiste à la même scène, hein, à part qu'il y a Sid là. C'est bon, t'as fini d'ajouter ta main. Et du coup c'est pas la même musique. Hein. Ouais, fun cette musique. Donc la mer c'est pas du feu, hein. C'est à cause de la couleur du ciel que la mer est violette. Et voilà, donc je crois que je vais appeler cette vidéo putain de poisson. Ou je vais ouvrir une poissonnerie, ou à mort les poissons, ou... Franchement, je vais faire une pétition contre les poissons. Et voilà, on retrouve notre cher Céleste ici. Donc je coupe la vidéo, et je suis dans la merde parce qu'elle est toute seule. Putain, écoutez la musique un peu. Ouais, c'est une musique bien chaotique. Vous l'écouterez plus tard. Hein. D'ailleurs, je mettrai quand j'aurai fini le walkthrough l'OST sur Mega Upload par exemple et je vous enverrai le lien. Je ferai ça avec tous les jeux d'ailleurs. Bon, allez, salut.